Bienvenue sur Ro80 Gaming, on se retrouve sur Lies of Pi. Alors ici, on va d'entrée de jeu, hop, prendre, on va, voilà, on va mettre son arme et on va aller au combat. Hop, alors on va essayer de gérer. En bloquant. Hop. On fait la même technique. Et voilà. Donc voilà un petit peu comment on va gérer le premier boss. Hein, donc voilà. Donc là après, je sais pas, ils m'ont donné quoi là. Ils m'ont donné sur, je sais pas, un cristaux. Pièce d'activation de capacité d'organe Pi. Active. Il est équipé sur l'organe Pi. Ok, donc ça doit être un truc à équiper. Bon, il faudra voir ça. On va voir ça. Donc là, ici, après, on va pouvoir poursuivre. Mais avant de poursuivre, je vais vous faire voir la routine pour pouvoir faire votre leveling, hein, simplement. Si vous jamais vous galérez, alors vous pouvez faire 5 niveaux, pas plus, après vous serez bloqué. Hein. Pourquoi il est marqué utiliser stockage? Le Stargazer, utiliser le Stargazer. Ah, j'ai trop de, j'ai peut-être trop de trucs. Bon, on va à SWAT. Non. Je comprends pas pourquoi ils veulent utiliser stockage. Ça veut dire quoi ça?
Alors là, je sais pas ce qu'ils veulent. Bon, c'est pas grave. On va faire la routine. Alors la routine, on va prendre le bâton. Et on va faire la routine du leveling. Et après, on va avancer. Là, je sais pas ce qu'il est en train de me faire avec le Stargazer. Donc ici, hop. Donc on va utiliser notre bras métallique pour l'instant. Donc hop, voilà. Donc ça c'est si jamais vous galérez dans le combat, que vous avez plus assez de sous pour les potions, pour les trucs à lancer. Donc là, utilisez votre gros coup. Voilà. Donc là, je vous fais voir la routine. Dans quel ordre il faut attaquer. Voilà. Là, hop, on va récupérer le. Hop, voilà. Donc en gros la technique c'est de parer, hein. Comme ça ça vous évite de prendre trop de coups. Allez hop, viens ici le loup. Alors il se peut que des fois les ennemis ils vont vous foncer dessus. Mais normalement ça se passe assez bien. Donc on voit hein, la routine. Et en utilisant donc le gros coup. Voilà, vous allez gagner du temps sur les combats. Et ça va vous permettre de ramener à peu près 1000, un bon 1000 points facile à votre base. Donc là. Alors là, je sais pas pourquoi il m'emmerde avec ça.
Là, franchement, honnêtement, on sait pas ce qu'ils veulent avec ce Stargazer. Peut-être qu'il faut avancer pour l'instant. Là, ils sont tous morts. Mais j'aime bien, je dis marionnette, ils veulent pas mourir à la porte. Je dis humain, oh bah vous avez menti, oh bah profi, super. Magnifique. Ils m'ont forcé à mentir. Bon là on a une cinématique, donc j'avais pas prévu ça. Bon, apparemment, les marionnettes se sont rebellées.
so happy to see you. I am Sophia. You must have questions. Geppetto will have answers. He was last seen on Elysian Boulevard. All of please find Geppetto on Elysian Boulevard. I'll explain more. Donc là maintenant on va pouvoir enfin s'augmenter correctement. Donc, c'est pour ça que c'était bloqué certainement. Look at Gemini. That's proof you're broken. I'm no inventor. But perhaps wait. Take this crot is a labyrinth of peril right now. Be careful. Hop, donc voilà, donc ainsi s'achève donc notre première notre première vidéo. Du moins voilà. Sur le boss. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé de voir un peu comment on affronte le premier boss et comment on peut fermer un peu le niveau pour après se faire des niveaux supplémentaires et afin de moins galérer dans le jeu. Hein. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu et on va se retrouver pour de nouvelles aventures sur 80 Gaming et surtout portez-vous bien, c'est super important. À la prochaine.